Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau diorama, donc je vais faire un tout petit diorama. Mais avant, je vais vous présenter les quelques petites améliorations que j'ai fait sur mon diorama. Donc ici, j'ai mis les andins avec la fausse paille, donc ça fait déjà mieux, enfin c'est plus joli que la dernière fois. Ensuite, j'ai mis des petites haies avec une petite entrée juste ici. Voilà ce que ça donne, la petite haie. C'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai mis aussi de la fausse paille dedans. Là, ça fait déjà meilleur, enfin c'est plus réaliste. Et aussi là-bas, hop, je vais enlever ça. J'ai mis tous les big bags, les palox, les palettes et tout. Donc voilà, donc est-ce que ça fait trop rangé ou pas, je ne sais pas, à vous de me dire. Donc là, j'ai déjà tout préparé, il restera juste à couper le faux gazon. Donc, on a la petite plaque, donc vous voyez ici, j'ai déjà fait les petites lignes, parce que ici, je vais mettre de la colle à bois, pour ensuite mettre de la fausse terre, enfin du gravier. Et donc ici, il y aura l'herbe, et on va poser le tracteur juste là. Donc, hop, j'ai le faux gazon qui est ici. Je vais aller le couper avec le cutter. Là, je vais prendre les mesures. Donc, ici, j'ai du 10 cm. Là, ça fait du combien? Ça, c'est du 14,5, ok. Donc, 10 cm. Et en haut, j'ai du 10,5. Donc, on va couper. Donc là, on a dit du 10. Donc, 10, ce sera à peu près ici. Et le 10,5, hop. Donc ce sera pile là, donc bougez pas, je sais ce que je vais faire, tac, et j'ai dit ici, normalement ça doit être ça normalement, oh c'est pile ça, c'est pile ce que j'ai fait, impeccable, tac, et tac, du coup là on est parti, on va couper les petits chefs. Bah du coup, on est sorti dehors. Là, j'ai mon scotch. J'ai fait des délimitations. Parce qu'après, du coup, il n'y aura que de la terre ici. Et là, les bandes enherbées. Du coup, à peu près. Oh là là. À peu près. Tac. Alors. Tac. Même que j'en mette un tout petit peu. Tac. Voilà, donc ça, c'est la première. Là, je vais faire la deuxième. Tac. Voilà. Ah, il y a une pie. Du coup, là, j'ai la colle à bois. Hop. Sans moi ça mec, ça c'est pire que de le fond. Enfin bon, alors donc du coup je vais tremper mon pinceau. Hop. Tranquillement, voilà, et hop, et là j'en mets et je tartine. Voilà. Du coup là, je vais aller rincer vite fait mon pinceau. Du coup là, il reste la terre à mettre. Du coup, je vais saupoudrer. J'ai fait ça comme une merde. Bon du coup, on se retrouvera demain, donc pour vous ce sera simplement un petit cut pour que la terre ait séché ainsi que la colle. Bon du coup, on est le lendemain, la terre elle a séché, toute la colle tout a séché. Maintenant on a juste à retourner la plaque. Alors, c'est parti. Tac.
ça, tac. Voilà. Du coup, ça donne ça. Donc, il y a un tout petit peu d'herbe. Ça, faudrait que je les enlève. Hop, ça donne ça. Voilà. Là, j'ai enlevé le scotch. Tac. Ça fait quand même une belle ligne. Le deuxième. Voilà ce que ça donne. Donc ça, ce sera le petit chemin. Du coup, hop, je vais poser ça là. J'ai mes deux bandes enherbées. Donc, je ne me rappelle plus laquelle va au bon endroit. Ça doit être celle-là. Mais c'est ça. Donc, là, on a la première. J'ai ramené de la glu. On va mettre de la glu à chaque petite raie là où l'herbe allait coller. Comme ça. Et après, on va bien mettre. Et comme ça, ça sera collé. Donc là, j'ai fait la première. Je vais faire la deuxième. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait tomber une petite goutte de glu. Bon, bah tant pis. Voilà. Bon, du coup, j'ai fini mon petit diorama. Je vais aller poser des tracteurs dessus pour faire des petits plans. Et puis comme ça, on aura fini. Bon bah du coup je l'ai placé juste là, je vais mettre le Renault dessus. Voilà ce que ça donne du coup, et ce qui est bien c'est que du coup il y a les éclairages. Hop, bah là il va être illuminé comme jamais. Ne vous inquiétez pas, ce diorama va arriver aussi prochainement. Donc j'ai déjà la petite route qui est juste là, qui sera là. Et puis après bah tout ça on verra, faut que je finisse le bâtiment aussi, mais vous inquiétez pas. Ça viendra prochainement. Bon, merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous. Et ciao les boys.